غوب والبا إيو غوب كستبا كوحيدناو تليفيشن كعالميجي سهن تيفي اغونا كالي وراركو فن سهن تيفي داتكاي سكالي هالكاني وا تليفيشن كعالميجي سهن تيفي Bonjour, salam alaikum. Est-ce que tout le monde m'entend d'emblée d'abord? Ça va, c'est correct? Oui. C'est bon. Oui. Okay. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome to Saham TV. Today it's a special program. So, kusur dawa de bernamij keni Saham TV e zeli bismaili nida dihine se yom la sabtiga. Marka manta, inshallah, bernamij kuiz bedileya maha bernamij siyasadad, maha bernamij andad waraysana yo. maanta insha Allah waxaan u maaru maxaan ku dhahay waa barnaamij xasuusin ah oo walaalkeen Allah yarahmaan raxmiin Muhammad Ali Ali Maxamade oo Abdis Afarsan loo yaqaanay aan ugu mahadcelinno aan taariikhdiisa ka sheekeynno aan xasuusanno wuxuu nooga tagay Allah yarahmaan raxmiin marka insha Allah biinila maanta barnaamijku kuma hadlayo af Soomaali waxaan ku hadli doonaa nacam kuma dhameeyay af Soomaali waxaan ku hadli doonaa af Soomaali waxaan la joogo martii walaalahay oo reer Jabuuti af Afar ku hadli doonaa af Faransiis waxaan ku hadli doonaa af Carabi waxaan ku hadli doonaa insha Allah waxaan la joogo martii noo amet war Chris oo soo dhaweyn doona insha Allah markaas ila socda bi inni la hadi ilaahay raado marka insha Allah barnaamijkeena waan ku dagelna hi everyone welcome to our stage welcome to Saham TV it's an honor to welcome you everyone all of us and it's an honor also to be together to honor our little brother Muhammad Ali Maxamade this a person or known as Afar Jaglo on this stage today it will be inshallah it will be a good place to remember our brother and I'm glad to welcome first of all Mr. Warren Cleese lawyer Warren Cleese who was my lawyer of immigration when I came to Canada welcome sir welcome on Saham TV it's an honor to have you on the stage it's wonderful to see you again after so many years And I'm grateful to have this opportunity to be with you all today Okay, thank you, sir. Après, je vais accueillir mes frères, mes compatriotes djiboutiens. Je vais accueillir trois compatriotes de mes frères qui sont avec moi aujourd'hui en la personne de Camille Mohamed Roblet. Bienvenue, Camille, sur le plateau de Saham TV. C'est un honneur de t'avoir avec nous aussi, frère. Merci beaucoup, Zainab, et merci pour cette invitation. قد دقيقي نذكر حبي سنة هاي إن شاء الله هاي نعم كوفن دقيقة سنة ساعات. D'accord. Je crois que le volume est bas. Est-ce que c'est mon côté ou c'est de votre côté? Parce que moi j'ai entendu faiblement Camille. Camille. Ok. Alors je vais accueillir en deuxième mon frère Burhan Mohamed Burhan. Burhan, je t'accueille sur le plateau de Saham TV. C'est un honneur de t'avoir également, frère. On est là aujourd'hui pour honorer la mémoire de notre frère défunt. Sois le bienvenu sur Saham TV, Burhan. Merci. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je t'entends mieux okay. que mes deux précédents invités. D'accord. Merci Zainab, merci Warren, merci Camille, merci Sami, merci aux auditeurs de Saham TV et merci Saham TV de nous donner cette opportunité de pouvoir rendre hommage à notre frère, notre ami, notre héros, Muhammad Ali Maxamade, aujourd'hui. Ok, merci beaucoup à toi. C'est vrai, il avait tous ses qualificatifs. Et Muhammad, c'était quelqu'un de spécial, tout le monde en convient. Mais laissez-moi d'abord, avant de passer à notre vif du sujet, et accueillir mon autre frère, Sami Ahmed Al-Had. Sami, c'est un plaisir. Sois la bienvenue sur Saham TV, frère. Inch'Allah, c'est une occasion spéciale pour nous, Djiboutiens, d'abord de se retrouver, de parler à la mémoire, de rendre hommage à notre frère défunt et d'avoir avec nous Maître Warren également. Donc, sois la bienvenue, Sami. Merci, merci. Salam alaikum, rahmatullahi wa barakatuh. Merci, ma sœur Zainab. Bonjour Kamel, salam alaikum, Mr. Warren Burhan. Bonjour à tout le monde et à tous tes auditeurs, auditrices, ma chère Zainab. Merci pour l'occasion. Merci à vous. C'est un honneur pour moi de vous accueillir sur ce plateau. Donc, comme on avait dit d'entrée, comme c'était convenu, et comme c'est un hommage posthume, on va mettre la sourate Fatiha, on va lire en mémoire de notre frère défunt, et puis on va faire une petite invocation, pour l'invocation des morts pendant deux secondes, deux minutes, comme vous voulez.
Alors, je demande à l'équipe technique de nous mettre la sourate Fatiha et on va garder le silence. Merci beaucoup. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله. Qui va nous faire la petite dua? Burhan, tu vas nous faire une petite dua de deux minutes? Je laisserai Camille, mon frère Camille. Camille, ok, tu cèdes la place à Camille. Camille, on te laisse à toi pour faire une petite dua à la mémoire de notre frère défunt, s'il te plaît. Je crois qu'on a perdu Camille en cours de route. Est-ce que vous voyez Camille? Parce que moi, je ne le vois pas. Non. Ok, on laissera faire Samy. Neuf. Est-ce que vous voyez Camille? Je préfère Camille. Oui, 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 je suis là, je suis là, désolé. Revenir. Ah, voilà, on t'avait perdu en cours de route. Hein. Tu es là avec nous? Tu nous entends? Oui, oui, je suis là. Oui, oui, je vous entends très bien, merci. Camille, on ne t'entend pas. Ah oui, vous m'entendez? Allô? Alors, moi, je vous entends. Camille, tu nous entends? Oui. Parfait, très bien. Alors, tout le monde t'a délégué pour que tu fasses la petite doua de deux minutes à la mémoire de notre frère défunt. Inch'Allah, on t'écoute. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, rabbil alamin, salatu wassalam, ala rasulillah, salam alayhi wa sallam. Allahumma, Allahumma, rabbu, 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 ka rahmati, rabbu, dunak, ten sekhira, ka hui, ya Allah, rabbu. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واغفر لنا ذنوبنا والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا على كل الحمد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الفاتحة لهم. Amin. Fatiha, ya Rabbi. Allahumma amin. Allahumma amin. C'est juste une petite prière pour les morts qu'on faisait, Monsieur Warren, pour les défunts. Donc, on va rentrer dans notre vif du programme aujourd'hui. C'est un honneur pour moi une seconde fois, une troisième fois, une énième fois de vous accueillir sur le plateau de Sahan TV. Merci. Ok, merci. C'est bon. Ok, là, il y a un problème technique. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet, comme on avait dit. Alors, je vous donne la parole. Je vais donner la parole dans un premier temps à Camille pour qu'il nous fasse une petite introduction de qui était Humed et comment il avait connu et tout ça. Une petite biographie de cas de notre frère, Allah Rahma, en Afar. Et puis, après, on va continuer ainsi de suite. Ok, Camille, je te donne la parole. À toi. Merci. Zainabai, yai asakuna asakwakili kana metimi tobokoita Muhammad Ali Muhammadi negre yani yalli adunakta sakhira ka hay usku barulu magum kaddam kaddata mabe magum inkina niyat luksgeni magum uri kai waqti meti kalauri gabaka kaliwe habitani وهم إنكه ننو حجي لك بأنه ساعتك ساي أسكو محاي قبوتك قريهن وقتي دير وقتي سنة ألفي كي ساقلب ولكي ساقلب دبان كي تي أتو بحرة دبان كي ساقالي أوكي كاتو ساني أبارو فن ما ماتين ما يكبرو رفن قريسوكي أوكي تا كندا فن نفن حبي نفن يميتيني o akil limite midi sani hay mahay isito bukut yongorwe maana to isafle marat yongorwe o kili magumara yare aksukasuge o ki girak masha allah isi taalimi fan dahe school barito school kaduna bisuhi yenumuy niyaka kamul aksutimi hadaf to wadina to buku inki fan bahanke
هدفت حلي السجاهي ووعدي وكجراك إجلك مرا نهرسي مراح يكيه أي إجلا نهرك أتسوى إجلا نهرك بحسي مراك نهرسي توتيني تو وعديناي وك لك تتو مقومي تو كعسلة دبان تكيك يبيكو با تكيك قبق بو بتكيك مقومي إسبور لدبان أكادو أداك سوي ليهي إن أك راتيم هي بسهو مقوم يبيتني هو متنكي سر سينو كديابيو أو يديه بكا يب زينب القحسيو هو زينب je te laisse la parole je peux dire ce qui est la première partie de Ahmad. Merci, merci beaucoup Allah Rahman Brother. Inch'Allah, je vais donner la parole quelques secondes avant de donner la parole à Maître Warren. Je vais donner la parole à notre frère Burhan qui va nous faire une petite traduction en français de ce que vient nous relater sur la vie de Hum de notre frère Kamil Mohamed Roble. À toi Burhan. Au-delà de la traduction, je veux parler un peu, je veux rajouter certaines données ou informations sur Humad Ablis. Humad Ablis est né pratiquement dans le même quartier qui est le mien aujourd'hui, grandi aussi au quartier Hajdide. Et par la suite, il a continué, après son bac, il est allé poursuivre ses études au Maroc. Et après quelques années au Maroc, il est passé par la France, l'Europe, et ensuite, il est venu ici au Canada. Et une fois arrivé au Canada, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été parmi les premiers fondateurs, les membres fondateurs de l'AXAO, la communauté afar ici à Ottawa. Et Humad était, c'est quelqu'un qui a accompli beaucoup de choses et qui voulait encore accomplir des choses, mais récemment, il s'est battu très très fort pour pouvoir vaincre la maladie, mais Dieu a fait que Humad nous a quittés et aujourd'hui on est ici pour rendre un hommage, alhamdoulilah, à Humad. Et puis parler de ce qu'il a réalisé et ce qu'il comptait réaliser et qu'est-ce qu'il a fait lors de son parcours ici. Et même Warren peut témoigner dans le sens, Warren est impliqué dans la communauté East africaine, surtout dans la communauté Afar. Et puis Humad croyait plus, parlant de la communauté Afar. La communauté Afar vit dans 3 pays, Djibouti, l'Érythrée et l'Éthiopie. Et Humad était quelqu'un qui pensait plus à quelque chose qu'on appelle en anglais « humanity without border ». Lorsqu'on parlait au-delà de la politique, mais le côté culturel, le côté humain, que ce soit Afar ou Somali ou Kenyan ou Tanzanien ou Somalilandais, c'était l'humain. Et c'est ça, Humad. Voilà. Je laisserai la parole à Zeynep. Je vous entends pas. Je t'entends pas, Zeynep. Chacun à sa manière. Donc, alors, maintenant, je vais accueillir un avocat distingué, Maître Warren Chris, qui était ami aussi de Humad et qui est aussi, Mr. Warren, he's also a president of the Can-Go Afar Association. And also he's a friend, he was a friend of our late brother Humad. And he's a friend and of the Jewish community in general, because he's a lawyer. Come, Mr. Warren. So it's your turn, Mr. Warren, to speak about our late brother. When do you meet him? How do you know him? What you achieve with him? I give you. Thank you. Go ahead, merci, sir. Thank you very much for having me participate with you today in tribute and in honor to Humad. I knew him as a bliss. He was introduced to me by the name Ablis, which was
I think, a name given to him, and it may be a nickname. And it was, it's an unusual name, but bliss is an English word that means beautiful, glorious, wonderful. And that was a name, I think, that really captured his personality. I met him 10 years ago when I became very deeply involved in organizing Kango Afar, the foundation, the humanitarian foundation. I had, prior to that, for about 20 years, done quite a number of refugee claims from the Horn of Africa. Of course, hundreds and hundreds from Somalia, maybe thousands from Djibouti, and then a growing number of Afar claims from Eritrea and from Djibouti. And I got to know him because we organized events, we organized cultural events, we organized fundraisers, and then more and more, we organized advocacy events, human rights activism. Sometimes they were demonstrations, sometimes they were panel discussions at universities, and so forth. And he always got there early. He always set up the audio visual. He was always involved in the entertainment, but equally so, he was a panelist on these discussion points. I know him as a very kind man, as a very calm man. I never heard him express upset or disappointment or harsh words of any kind about anybody. He was friendly. He was a happy man. He had a glow, an internal, beautiful glow. He was always elegant in his demeanor, in his dress, in his presentation. He was very fashionable, and I've chosen to wear one of my favorite jackets today in tribute to him, because he was always well-dressed. He was always fashionable, and he stood out for his beauty, for his charm. And when he performed music and entertainment for those gathered, he was funny. He was he was amused by himself and by others in how he conducted himself. And he was grateful and welcoming. He always had nice things to say, introductions to make. I think he was a mentor for many who appreciated his leadership. And he died all too young. I was disappointed when I learned in January of his sudden and quick death at such a young age of 49. We've lost a great man, a great leader, a great elder, a great mentor who meant so much to all of us who ever had any contact with him. He is missed immediately and will be forever for those in our community from the Horn of Africa who knew him, appreciated him, and he made our lives brighter by everything he did. I'm excited to share my thoughts with you for those who are tuned in, for our audience today, to pay tribute to a wonderful man who meant so much to us all. That you have said about him. So, je vais vous résumer un peu, et mes frères peuvent me compléter à tout moment ce que Maître Warren a dit à propos de notre frère. C'était quelqu'un de humble, c'était quelqu'un de drôle, c'était quelqu'un de gentil, c'était quelqu'un de très élégant. Il s'habillait très élégamment, c'est vrai aussi. Hein? Oui. On voit beaucoup de photos de Hamed qui étaient très élégants. C'était quelqu'un de très apprécié dans la communauté. C'était un mentor en quelque sorte. Donc, je ne peux pas résumer toutes les qualités humaines que Maître Warren a décrites à propos de notre frère défunt. Et je crois que tout le monde en convient, va être d'accord avec ce que Maître Warren a dit à propos de notre frère défunt, Ahmed Allah et Rahma. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, je vous donne la parole à vous, les amis, les frères, si vous voulez compléter ce que Maître Warren a dit, parce que je crois que Maître Warren a un autre rendez-vous et va nous quitter. Donc, qui veut ajouter quelque chose d'autre? Vous avez la parole. Je pense que c'est bien résumé. Hein. Moi, je dirais, il était... Warren Chris a cité pratiquement tous les qualificatifs
qui ressemblait à Ablis, il était aussi invraisemblable. C'était quelqu'un qui pouvait discuter même avec quelqu'un qui avait des idées autres que les siennes. Que les siennes. C'était un rassembleur, oui. C'était un vrai rassembleur. Ahmad était un rassembleur. Très bien. Tu veux ajouter un mot? Pardon? Tu veux compléter? Tu veux ajouter un mot sur ce qu'a dit Warren? Oui, oui. En fait, c'est quelqu'un qui a approché tout le temps. Moi-même, j'ai approché Kango Afar, on a travaillé avec Warren. Et Ahmad était là avec ses idées d'appui. Et puis Warren était toujours, il me disait toujours le bienvenu, welcome, de proposer vos idées. Et c'est vrai, tout ce qu'il a parlé, tout ce qu'il a dit sur Ahmad est vrai, vraiment, c'est la façon dont il l'a qualifié, c'est vraiment la vérité. Et puis, on remercie beaucoup Warren pour son soutien aussi de ce côté-là. J'ai un autre rendez-vous, alors c'est nécessaire, c'est dommage, mais c'est nécessaire pour moi de quitter maintenant, alors à cause de notre rendez-vous que je dois le faire. Alors, je veux dire remercier à tous. Thank you very much for welcoming us all to participate in honor and homage to our lost brother Ablis. It's a huge loss. And I'm so glad that you're organized this show, this production, to share with everyone how we've been touched by him in so many ways. Exactly. Thank you. Thank you, Wadi. Have a wonderful day. Merci beaucoup. Okay. Alors, je vais demander à l'équipe technique de faire passer les images de Kango Afar avec notre défunt frère. J'ai envoyé les photos partie par partie. Alors, je demanderai au technicien, s'il est avec nous, de faire passer les images de Kango Afar pour qu'on voit un peu comment il était dans Kango Afar et puis ce qu'il a accompli. L'équipe technique, vous m'entendez? Ok, pas grave. Bon, ça c'est les petits trucs du direct. Hein? Alors, on va faire avec, c'est pas grave. Donc, les amis, on est entre nous là. Maintenant, Maître Warren n'est pas avec nous. Donc, on se retrouve. Voilà, le technicien nous a entendu notre message. Il fait passer les images de Kango. Ça, si vous voyez une image de Maître Warren Chris, comme j'ai dit tantôt, Maître Warren Chris, c'est un avocat en immigration. Donc, j'invite tous les Djiboutiens qui sont nouveaux, qui viennent d'arriver au Canada, qu'ils ont besoin d'avoir le service d'un avocat en immigration. Je vous réfère à Maître Warren Chris. Croyez-moi, hein, il ne m'a pas demandé de faire la publicité pour lui, mais c'est quand même un devoir et puis c'est une reconnaissance pour nous en tant que communauté, comment Maître Warren est prêt et à côté de la communauté. Ok, je crois qu'il y a un petit cafouillage au niveau. Ça, c'est Sotkan. On va donner les photos de Sotkan. Ok, puisque les photos de Sotkan sont là, on donne la chance à Sami de s'exprimer. Ok, à toi l'honneur, puisque les images sont là. Ok, Sami, à toi l'honneur. Parle-nous de Ahmad, comment tu l'as connu et puis... quels étaient les impacts, quelles sont les réalisations que vous avez accomplies ensemble, puisqu'on voit des images de Sotkan. D'accord. Merci Zainab pour me passer la parole. Je voulais juste d'abord faire une petite présentation, dire Massa al-Khair, Gamian. Shukran ya Ukhti Zainab, علشان هذه الفرصة نتكلم على أخونا حمد. جزاك الله خير. شكرا يا زينب. Maintenant, je vais continuer. Je vais continuer en français. D'abord, je vais parler un peu de ma rencontre avec Ahmad, le côté amical et tout. Et ensuite, si vous voulez, dans le deuxième volet, on pourra parler de ses réalisations. Et c'est là que je vais vous briefer sur sa contribution dans Sotkan.
D'accord? Donc, comme vous le savez, notre cher frère Hamad, il a été rappelé à Dieu le 11 janvier dernier. Son décès est survenu ici à Ottawa, à l'hôpital général. Hamad a laissé derrière lui deux enfants, une grande fille et un jeune garçon aussi. Son départ vers l'au-delà est une grande perte. Ça a beaucoup, beaucoup, ça a évidemment bien secoué la famille djiboutienne du Canada et au-delà, parce que Hamad, il avait tout un grand cercle d'amis, quoi, que ce soit ici ou dans toutes les villes canadiennes et encore une fois au-delà. Donc, avant d'aller plus loin, je voudrais réitérer mes sincères condoléances à ses enfants, sa famille, ses proches, et qu'Allah leur donne la force, le courage et la patience pour surmonter cette épreuve. Inch'Allah, Inch'Allah, qu'Allah l'accueille dans son paradis éternel. Amen. Maintenant, la perte d'un cher ami laisse toujours un grand vide. Et on se demande toujours comment on va faire vivre la mémoire du défunt Hamad dans notre cas ici. Donc, je dirais que les idées pour honorer la mémoire d'un proche sont nombreuses. Donc, entre autres, l'occasion là que tu nous donnes aujourd'hui, Zeynep, celle d'organiser une émission sur Internet, est une excellente idée. Donc, en mon nom et au nom de SODCAN, qui est Solidarité Djibouti Canada, anciennement appelé GIPCAN, Zeynep, je te remercie beaucoup. Je remercie aussi beaucoup Sahan TV pour cette belle occasion pour rendre un dernier hommage à notre bien-aimé Hamad, Allah yarhamo. Bien sûr, sa mémoire, elle va être tellement présente que on va pas l'oublier de sitôt, presque jamais, je dirais. Et surtout pour évoquer des souvenirs communs, se rappeler de son histoire, sa personnalité. Ainsi que les raisons pour lesquelles il nous manque déjà. Donc déjà, on a commencé déjà à en parler un petit peu. Donc là, je vais vous dire comment j'ai connu Hamad. Hamad, je l'ai connu en fait ici, il y a plus de 25 ans maintenant. C'était à Ottawa et c'était par hasard d'ailleurs. En fait, ça faisait quoi, même pas 2-3 jours que j'avais débarqué au Canada ou à Ottawa en l'occurrence. Et au bout de 2-3 jours, bon, je savais que j'avais un pote que vous connaissez certainement, Dilley Teturap, qui était aussi à Ottawa. Donc, mais j'avais pas ses coordonnées. Donc, un jour, par hasard, je pars prendre un café au centre Rideau et avec ma femme, pendant que on savourait notre café. Comme ça, là, franchement, c'était la chance. Je vois arriver au loin une tête djiboutienne, quoi. Et puis plus il s'approchait, plus ça confirmait que c'était un djiboutien et surtout Afar. Donc j'ai dit à ma femme, attends-moi une seconde, je vais aller aborder ce gars-là. À tous les coups, il connaît Dilley. Donc je pars l'interpeller et là je l'aborde en Afar avec les quelques mots que je connais. Et Hamad, franchement, je ne m'attendais même pas à cette réaction-là. Savez-vous comment il me répond ou qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit « Sorry, man, I don't understand what you say. » Je dis « Wow !» Et ça, en plus, il était sur un ton sérieux, quoi, comme jamais vu. Bon, je ne le connaissais pas et puis le mec, il me sort ça. Alors que moi, donc, il m'a complètement zappé, quoi. Alors… Et puis, bon, j'insiste, je lui dis, t'es pas Afar? Il me dit, non, pas du tout, pas du tout. Il me dit, je suis suédois. Je dis, I'm Swedish. Je dis, là, j'ai dit qu'en fait, il présentait, quoi. Donc, moi, je pars en rire, quoi. J'étais plié. Alors, du coup, je lui dis, écoute, ma grand-mère, elle est suédoise, alors parlons suédois. Alors là, lui aussi, il ne s'attendait même pas à une telle réplique. D'ailleurs, il me dit, oh, toi, tu as la réplique facile, Arabi. Ça doit être le tac au tac de quartier 2.
Et puis je lui ai dit, non, pas du tout, pas du tout. C'est le tac au tac de quartier 1. Bon, à la rigolade, hein, j'ai rien contre les gens de quartier 2. En fait, donc c'est parti comme ça. Et puis après, on a parlé, on s'est échangé nos coordonnées. Bien sûr, il m'a filé les coordonnées de l'État. J'ai trouvé le gars, mais super sympathique, tellement sympathique que, il s'est proposé à maintes reprises, tiens, voilà le numéro de téléphone, appelle-moi quand tu veux, quand tu voudras, je pourrais te faire visiter la ville, moi je suis là, je suis un vétéran et tout. Bon, moi ça m'a arrangé parce que j'étais bleu. Mais heureusement, bon, ma femme aussi connaissait la ville, elle était là avant moi, donc ça va, j'ai pas eu besoin de l'appeler, mais j'ai trouvé ça super, super sympathique. Mais j'ai trouvé aussi, Ahmed, c'était quelqu'un aussi. Il pouvait paraître antipathique. Je ne sais pas si vous avez eu cette impression de lui. Il avait quand même un visage fermé, sérieux. Mais en fait, quand tu grattes la surface, c'est quelqu'un de drôle, de taquineur. C'est quelqu'un qui avait le grand cœur, quoi. Un grand cœur. Franchement, son cœur était sur la main, quoi. Et à la suite de ça, on s'est revus à plusieurs occasions. Et j'ai même assisté à son mariage. Franchement, je trouvais que c'était quelqu'un qui pétait la joie. Toujours content de te revoir quand tu le croises. Il se donnait le temps de te parler. Il aimait les gens. C'était un plaisir. Et à chaque fois, quoi, le fait qu'il te donnait le temps de te parler et tout ça, moi, je trouvais que c'était un grand signe d'estime et de respect, quoi. Donc, rien que pour ça, je disais, waouh, ce gars-là, il n'y en a pas deux, quoi. Voilà, quoi, je trouvais. Et puis aussi, était bien sûr que tout à l'heure, vous avez soulevé avec les points de divergence. C'était quelqu'un, quand même, de conciliateur qui va essayer toujours de trouver le juste milieu. Toujours avec tact et diplomatie, mais en notant que ça a du sens. Hein, sinon, il ne va pas te rater. Il va te dire tes quatre vérités. Écoute, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Mais quand ça n'a pas de sens. Sinon, il va toujours trouver un terrain d'entente. Je vais résumer en disant que pour moi, il incarnait le parfait Djiboutien. Parfait Djiboutien parce que déjà, par le nombre de langues qu'il parlait, il parlait toutes nos langues, toutes les langues djiboutiennes, et dans toutes leurs nuances. C'est-à-dire, il pouvait retourner la langue dans tous les sens, et il avait cette facilité, cette flexibilité linguistique. C'était un polyglotte, en fait, hein, c'était ça. Et c'était quelqu'un aussi qui était d'une grande, grande générosité, franchement. Il était toujours, toujours présent quand tu avais besoin d'un coup de main. C'est pas quelqu'un de nos jours, on trouve pas pareil, quoi. Il était là, il était pour le vivre ensemble, hein, il faut pas oublier, il aimait les gens, il aimait aussi il y avait des valeurs, les grandes valeurs, l'équité, la justice, et ça il le voulait pour tous les Djiboutiens, hein, c'était dans toute leur diversité, il était juste. Franchement, il était juste et il aimait beaucoup sa communauté. Franchement, il aimait beaucoup sa communauté djiboutienne. Donc, j'ai eu la chance de rencontrer un gars pareil et alhamdoulilah, et je trouvais que il m'a beaucoup impacté, il m'a beaucoup influencé quand on y repense et tout ça, surtout par rapport après quand on va toucher un peu ses accomplissements. Je trouve que c'est il y a de quoi laisser des traces et marquer les gens. Voilà, donc ça c'était un peu. Je voulais vous dire comment je l'ai connu et c'était quoi ma relation avec lui. Je vous repasse la parole. Ok, merci Samy. Ok, c'était très émouvant, très 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 émouvant. Et puis je crois que tu as fait un bon tour d'horizon sur la personnalité de notre regretté frère. Et je crois que tout le monde sur ce plateau ne pourra pas dire mieux et sera d'accord avec toi, mais quand même, je vais donner la chance à, comme on n'a pas eu la chance d'en parler beaucoup un peu en introduction, parce qu'il y avait notre invité, on le respectait, je redonne la chance, avant d'aller au niveau réalisation et accomplissement, je redonne la parole à notre frère Burhan,
Tu veux compléter un peu comment toi il t'a, oui, il t'a marqué et comment tu l'as connu un peu plus en détail? À toi, Bruno. Oui, en fait, on a eu un peu le même parcours. Après les études, après le baccalauréat, moi j'étais en France. Après mes études en France, je suis venu au Canada. Mais à l'époque où je suis venu au Canada, Humad habitait, résidait à Ottawa, alors que moi j'étais à Toronto. Et puis. Lors d'une de mes visites à Ottawa, je l'ai rencontré en même temps que The Little Trap. Et puis, ils étaient des amis inséparables. À l'époque, ils étaient entrepreneurs, surtout dans la musique. Et, ils géraient un restaurant et puis un commerce aussi. Et puis, c'est là où j'ai connu Hamad. Et puis, il me dit, tu t'appelles comment? J'ai dit, Burhan. Tu es de quel quartier? J'ai dit, Hajdidi. Oh, et il me dit, moi aussi. Et là, c'était comme, ça a été naturellement, c'était le grand frère, j'étais le petit frère. On était voisins aussi, hein. C'était deux, trois blocs. Donc, je connaissais les membres de sa famille, ses frères. Et puis, il m'a beaucoup conseillé. Et ensuite, il m'a rejoint à Toronto. En 2004, voilà. Entre 2004 et 2007, on a voyagé souvent ensemble. Pratiquement tous les deux, trois fins de semaine, on voyageait, que ce soit Toronto, Ottawa, Montréal. On voyageait souvent ensemble. Et puis, c'était une période un peu spéciale. C'était l'été. Et puis, on a passé du temps ensemble et on parlait. Et surtout, vous connaissez, lorsqu'on voyage, la 401, c'est une route, c'est une longue route. Mm-hmm. Et puis, tu as des arbres. Et Humad, c'était quelqu'un qui écoutait la nature. Il me disait, regarde les arbres. Tu sais, ils sont en train de parler. Ils communiquent ensemble. Le côté science et puis la psychologie. Humad, c'était un gars qui a étudié la sociologie. Mm-hmm. Et puis, c'était un gars formidable. Et puis, il m'encourageait souvent. Il me disait, écoute, toi, tu vas voir ici, continue. Mais je lui dis, écoute, j'ai quand même certains secrets. Il me voyait dans la politique. Il me voyait comme, il me poussait sur des voix. En fait, je sais que moi et la politique, c'était surtout notre politique locale, hein, on s'appelle déjà locale, non, comme on dit. sérieux. Et puis non, c'était, il me disait, non, il faudra qu'on casse, il faut qu'on milite, il faut qu'on fait ça. C'était un féministe. On a participé à un moment donné lors de la campagne du stop viol aux femmes. On a eu une campagne ici, il y avait une campagne en Europe et à Djibouti, et puis nous aussi, ici à Ottawa, il était le leader, le lead, et puis je l'ai aidé dans cet événement. Et puis c'était quelqu'un qui, pour toute personne oppressée, il était là. Et puis c'était quelqu'un, surtout dans les couples, il était toujours du côté des femmes. Maintenant, c'est quelqu'un qui soutenait beaucoup les femmes, maintenant. C'était comme un féministe pur. Hein. Et puis, non, Humad, c'était franchement aujourd'hui, comme moi, je dirais qu'il y a. J'ai perdu comme un frère, j'ai perdu. Je ne sais pas, sérieux. C'est, je ne pense pas qu'on aura comme. Je ne vois pas un autre Humad dans la communauté, you know? Il parlait toutes les langues, c'était un rassembleur, c'était... Subhanallah, il était comme drôle, il était un acteur, il était... Non, c'était... voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre. Avec Sami, probablement, on en a parlé déjà sur certains projets qu'il voulait réaliser. Et puis, c'était quelqu'un, c'était un gars local, you know? C'était quelqu'un qui voulait faire plus la différence ici, mais les réseaux sociaux lui ont permis aussi de militer autrement, hein,
de participer, d'être. C'était un homme public. Hein? Mm-hmm. Attention. Voilà. Donc, et à l'époque, à Toronto, je travaillais dans un organisme à but non lucratif. Et chaque après-midi, surtout les soirs, je le vois et puis il me dit, alors, qu'est-ce que tu fais? Quel projet? Et puis, je me rappelle une fois, il m'a donné une idée sur, en général, les immigrants investissent plus dans les activités parascolaires, culturelles et sportives des garçons, vu que les femmes, les filles, les jeunes filles ou les petites filles, comme en tendance, les parents à penser que les filles sont faites pour, elles vont se marier. Et puis on voyait que dans les cursus à l'époque, les jeunes filles fréquentaient plus les universités, les écoles, les études, continuaient les études supérieures comparées aux jeunes garçons. Et là, il m'a dit, écoute, et à l'époque, je me rappelle, il y a eu un projet de loi qui a changé les lois pour les nouveaux arrivants. Parce que lorsque je suis venu dans ce pays, la seule chose qui me tenait le plus, c'est les gens qui sont venus avant moi, de notre communauté. Ils étaient où et on voit où dans la communauté. Et puis, lorsqu'on regarde la diaspora ici, c'est un pays multiculturel, les Indiens, les Chinois, les Libanais, les Arabes, les Pakistanais, les Afghans, c'est des gens, certains sont venus avec, comme économiquement, ils étaient établis déjà, les parents, la première génération, certains culturellement, ils avaient un bagage culturel, des études. Aujourd'hui, leurs enfants sont des docteurs, sont des médecins, sont impliqués, ils sont partout. Alors que notre immigration, on parlait plus de dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans. Et lorsqu'on regarde notre immigration, elle date de 30 ans. Et le Canada a célébré en 2017, il y a quelques années, son 150 ans. Et une fois, on a eu une discussion, moi et mon frère Ablis, Hamad. Nous, dans ce patrimoine de 150 ans, on a 30 ans. Et notre deuxième génération, elle va aller où? Donc, il fallait qu'on implique les jeunes. Et comment on allait... le Canada, vous savez, ces dernières années, depuis... l'élection de Trudeau, on parle plus de réconciliation parce qu'il y a eu un passé un peu difficile au niveau de la question autochtone, Première Nation, les Inuits. Déjà en 2010, on a eu la chance de faire avec Kango Afar et Ablis était parmi, Warren aussi, on a eu une collaboration culturelle entre nos femmes et nos jeunes. La danse traditionnelle afar et la danse inuit. Nous, avec nos habits traditionnels et eux, avec leurs costumes, leurs plumes, on avait collaboré ensemble. Et là, ce qu'on voulait, un des projets de Abli, c'était, je me rappelle, avant qu'il soit, qu'il tombe malade, c'était de participer en tant qu'immigrant, parce que la question autochtone, le premier partenaire, c'est le gouvernement fédéral. Nous, ce qu'on voulait, surtout à Bliss, c'était qu'on soit les premiers immigrants à participer dans ce processus de réconciliation, mais au niveau culturel. Et à l'époque, ici, il y avait déjà quelques chanteurs de la diaspora djiboutienne, arabes, somalis, afar, et d'autres aussi africaines, surtout de la Corne de l'Afrique. Et puis, ce qu'on voulait, c'est qu'on ait une collaboration culturelle avec des artistes autochtones pour parler de ce processus de participer à ce processus de réconciliation. Et puis, et qu'on soit visible aussi, nos artistes soient visibles et d'apporter aussi, de jouer ce rôle-là dans ce processus de réconciliation et de dire
Et c'était quelqu'un qui, au-delà de c'est vrai, Abdi, c'était un Djiboutien, était un Africain, était un citoyen du monde, mais c'était quelqu'un qui he was grateful to Canada. Pour lui, moi et lui, le Canada, pour nous, c'est comme, franchement, ma vie ici, c'est comme, ben j'adore ce pays. Hein. Il adorait le Canada, Ablis. Et puis, Ablis voulait aussi participer à... On est tous venus, et avant nous, il y avait des gens qui habitaient dans ce pays-là, qui est le Canada, donc sur ces terres-là. Et ces terres-là appartenaient aux Autochtones, aux Premières Nations, aux Inuits. Et lui, ce qu'il voulait aussi, au niveau culturel, rapprocher notre culture avec la culture autochtone. Et puis, dire quelque part, voilà, on est là, on vous comprend. Et puis, voilà, participer à ce que ce pays continue à être encore, à le rendre meilleur, voilà. Au-delà de l'Afrique, mais le local aussi. Mais c'est quelqu'un, dès qu'il y a quelqu'un qui est oppressé, dès qu'il y a une initiative, que ce soit caritative à Djibouti ou en Éthiopie ou en Érythrée, c'était quelqu'un qui était là pour faire la différence, pour aider, pour contribuer. Voilà. C'est ça ce que je voulais dire sur mon frère Ablis. On t'entend pas, Zénab. Vous m'entendez pas? Maintenant, on t'entend, oui. Ok, d'accord. Comme vous voyez, merci beaucoup, Burhan. Merci beaucoup, brother. C'était très touchant tout ce que tu as dit. Ouais. Comme vous voyez sur le plateau, nous avons un invité surprise. On va accueillir notre grand frère, Hassan Mourbal. C'est un plaisir de vous avoir sur Sahel TV. Je crois que Camille, c'était ça. C'est lui que tu voulais me dire qui veut témoigner directement. Hein? C'est bien ça? Non, pas lui, c'était quelqu'un d'autre. Ok, alors c'est une autre surprise. J'ai eu la chance, je lui ai donné la priorité, parce que tu ne m'avais pas donné le nom, je croyais que c'était lui, et je voulais te faire la surprise aussi. Salam alaikum Hassan. Hassan me textait, mais j'étais en live, je ne pouvais pas lui répondre. Dès que j'ai eu l'opportunité, je lui ai répondu. Avec grand plaisir sur Sahel TV. Soyez la bienvenue, vous avez vos frères avec vous, vos jeunes frères avec vous, en la personne de Sami Ahmed Al-Had, en la personne de Burhan Mohamed Burhan, en la personne de Camille Mohamed Roblet, et bien sûr la grande Zénab qui anime l'émission. Je vous accueille avec grand plaisir. Ayak Allah. Ahala wa sallam. Merci. Assalamu alaikum. Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À tout le monde. C'est vrai que je suis un invité surprise. Je me suis imposé, je crois, et c'est pour rendre hommage, vraiment apporter mon témoignage au grand homme qui était, franchement, il y a une époque où, en 2014, je suis venu au Canada. Et Al-Hamou, c'est Hamad qui m'a accueilli à l'aéroport. Et on se connaissait avant ça, mais c'est à partir de du moment où on s'est rencontrés au Canada que j'ai appris à mieux le connaître et à apprécier l'immense travail qu'il faisait de la communauté djiboutienne en général et Afar en particulier, sincèrement. Et je tenais ce soir à rendre hommage au grand homme qui était Hamad. Et j'ai prié le bon Dieu de l'accueillir dans son paradis éternel. Et je profite de l'occasion pour passer mon tazir. Et à toute la famille, je n'ai pas eu l'occasion de le faire de vive voix comme ça. Par écrit, je fais un petit mot sur ma page Facebook. J'ai rendu un petit hommage à Ahmed. C'était vraiment très peu.
Et quand j'ai vu que ce soir, c'était d'ailleurs, permettez-moi de, entre parenthèses, de rendre hommage à Saham TV et d'avoir organisé cet hommage. Et d'ailleurs, j'apprécie beaucoup le travail que Saham TV fait. Et je remercie les équipes, je remercie Zen, la grande Zen, d'avoir organisé cet hommage posthume. Moi, je parle trop, si on me donne la parole, il faut m'arrêter, hein, parce que je parle beaucoup. Donc, franchement, merci beaucoup, Zen, d'avoir organisé cet hommage pour moi. Et je voulais amener ma petite contribution et faire partie des gens qui rendent hommage au grand oncle qui était Hamad. Voilà le peu de choses que je voulais dire. Je me suis introduit dans votre programme, vous allez m'en excuser, sincèrement. C'était quand même nécessaire. Que je rende ce hommage à Ahmed. Allah yarham. Allah yarham. Voilà. Et avec nous, parce que le thème, c'est toujours, on va toujours parler, on va continuer à parler de Ahmed, Inch'Allah. Et si vous voulez rester, vous êtes toujours la bienvenue avec nous sur Saham TV. C'est un honneur pour moi d'avoir organisé cette émission d'hommage posthume à notre regretté frère. Parce qu'Ahmed, comme tout le monde l'a dit, ce n'était pas quelqu'un qui pouvait passer inaperçu. On s'est donné la période de deuil. Je crois que c'est un mois et quelques maintenant qu'il nous a laissé, Allah yarhamah. Donc, Inch'Allah, il fallait qu'il a laissé sa marque dans toute la communauté djiboutienne, dans toute la communauté africaine, dans toute la communauté canadienne. Et c'était à nous de dire aux gens, gardez ça en mémoire. Voilà, Ahmed, c'était ça. C'était un rassembleur, comme on a dit, c'était un fédérateur. C'était quelqu'un qui était prêt à aider son prochain. C'était un citoyen du monde. Il suffisait juste que tu l'appelles pour lui. Moi, à chaque fois, je lui disais, brother, I need you. Il me disait, où veux-tu que je te rejoigne? Donne-moi une demi-heure. I'm going to be with you. Et puis après, on se donnait rendez-vous à Saint-Laurent. C'était notre endroit préféré. On se prenait, il aimait la bouffe grecque. Hein? Je ne sais pas si vous vous rappelez de lui. On se prenait de la bouffe du restaurant grec de Saint-Laurent. On discutait. Après, on se commandait le café de Tim Hortons. Il nous arrivait de discuter pendant 3-4 heures, alors qu'il me disait qu'il n'avait pas le temps. À chaque fois, il me disait, Zenab, à chaque fois que je te vois, pourquoi tu prends tout mon temps? Je dis, c'est pas grave, c'est un plaisir. C'est pas tous les jours qu'on se retrouve. Et après, je le déposais à chaque fois où il allait. Inch'Allah, que Dieu l'accueille dans son éternel paradis de Jonathan Fordosa. Et je veux aussi, à travers ces messages-là, je veux que sa famille, d'abord son ex-épouse et ses enfants, sachent que leur père était quelqu'un d'exceptionnel et que tout le monde l'a gardé dans son cœur. Et auprès de ses parents aussi, nous lui envoyons nos sincères condoléances. Et il faut qu'ils sachent que leur fils, c'était quelqu'un vraiment... Il a marqué tous les Djiboutiens, hein, qui que ce soit, à n'importe quel niveau. Donc, c'est pas... Mais alhamdoulilah, on doit s'incliner face à la volonté divine. On sait tous qu'on va partir un jour ou l'autre. Dieu l'a pris, c'est pas quelqu'un qui nous a pris de force. On accepte la volonté divine, on dit « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ». On continue, on va garder les bons souvenirs de Ahmed. J'ai promis de ne pas être triste, de ne pas pleurer, de ne pas... Mais ok, on continue sur cette lancée-là. Donc, je vais donner la parole à Kamil Mohamed Roble, qui est aussi un frère pour juste, moi, à côté de qui j'ai grandi. Oui, Hassan. Je vais juste compléter un peu ce que tu viens de dire, avant de discuter et de vous permettre de continuer votre hommage. Ahmed était un visionnaire, en ce sens qu'il a toujours cherché à rassembler les gens. Aujourd'hui, il fait cruellement défaut aux Égyptiens, c'est le fait d'être dispersé. C'est pour ça que on n'arrive pas à mettre un terme à une injustice qui dure depuis plus de 43 ans à Djibouti. Sincèrement. Et Ahmed était visionnaire en ce sens
qu'il essayait de rassembler les gens, qu'il était bien avec tout le monde, sans distinction aucune, et il faisait tout pour rassembler les gens. Et je crois qu'il faut suivre aujourd'hui, il est plus que temps que l'on puisse se rassembler et parler d'une même voix pour mettre un terme à l'hémorragie qui frappe notre pays. Et franchement, je vous remercie de m'avoir accueilli, accepté dans votre hommage. Merci beaucoup. Et ce qui est sûr, Zainab, l'invitation que tu m'as lancée tient toujours. Et dès que j'ai la possibilité d'intervenir encore une fois sur un TV, je te le ferai savoir. Mais ton invitation, elle est dans un agenda et j'y répondrai favorablement très prochainement, Inch'Allah. Ok, ma'assalam alaykoum. Assalamu alaykoum, merci d'être venu. C'est un honneur. Merci, Inch'Allah, portez-vous bien. On se reparlera. Inch'Allah, portez-vous bien, moi. Ok, je redonne la parole à notre frère. Okay. Merci. Salam Hassan, Inch'Allah. J'espère qu'on va retenir le bon message d'union et de fraternité qu'il nous a laissé. C'est nos aînés, alors vraiment, c'est touchant comme message. Et j'espère qu'on va retenir, Inch'Allah. Et c'est à nous de relever la barre, là, parce que la barre, elle est très haute. Je sais que Hamed est irremplaçable, mais c'est à nous de garder sa mémoire et le legs qu'il nous a laissé pour que nous, on se reste unis en tant que Djiboutiens, en tant que frères et sœurs. On dépasse le communautarisme, on dépasse le tribalisme, on dépasse celui-là, il est ceci, il est cela. On reste frères avant tout. On est frères musulmans, on est frères d'un même pays, on est frères canadiens, on est frères aussi dans ces pays d'accueil qui est le nôtre après tout. Hein. On est tous fiers, comme disait tantôt Burhan, on est vraiment tous fiers de ce pays d'accueil qui nous a donné les chances de s'intégrer et de devenir des citoyens à part entière. Donc voilà une belle photo qui marque... qui démontre aussi qu'on est canadien. C'est une fête, la fête de Saint-Jean, hein, puisque c'est le drapeau québécois. Ouais. C'est sûrement une soirée qui a été organisée dans la province de Québec, que notre frère a assisté. Sûrement, il était DJ et animateur. Montréal, oui. Hein, on était à Montréal. Voilà, vous étiez à Montréal, exactement, ouais. Puisque Montréal, c'est la province de Québec. Parce que j'explique ça aux Djiboutiens. Ça, c'est le drapeau du Québec. Le Québec, c'est une province du Canada. Donc, elle a son drapeau à part, puisque le Canada regroupe 10 provinces et 2 territoires, si je ne me trompe pas, hein, les amis, corrigez-moi. On a eu, en fait, c'était à Montréal, on a eu la chance de célébrer la Saint-Jean. Mm-hmm. Ensuite, Djibouti Day, la fête de l'indépendance de Djibouti. Et puis ensuite, Canada Day, voilà. On a célébré 3 choses en même temps. le Québec, Djibouti et Canada. Voilà. Célébrer 3 fêtes de suite, Mashallah. Ouais. Et ça, c'était avec Fum. Donc, j'imagine que c'était bien animé, bien. Vous avez bien profité, vous avez bien ri avec ces blagues et ces jokes. Donc, je vais redonner la parole à Camille un peu pour que Camille nous parle un peu de notre défunt frère au niveau de l'Aksao, au niveau de la culture, au niveau de la musique, parce qu'on sait aussi, alors c'était un homme d'art, hein? Oui, merci beaucoup. Oui, Hamad, en fait, pour nous, c'est, comme vous avez dit, c'est notre idole, en fait, c'est notre... Il était président bien beaucoup de temps avec l'Aksao, et par la suite, il avait légué la place à d'autres personnes. Il a dit qu'on peut pas toujours rester président à une seule place. Par la suite, si je reste encore plus, ça devient dictature. Et là, il a dit il faut qu'on partage. Alors, quelqu'un d'autre traînait, mais le stress, il s'écartait pas complètement. Il restait tout le temps là pour soutenir la personne, pour l'encadrer et ainsi de suite. Et ce qui, pour la musique, il aimait beaucoup. Parce que vraiment, quand on organisait quelque chose, il prenait le côté culturel
à cœur. Et puis, et un jour, je lui ai demandé, c'est quoi ton but d'être indigé? Et puis, pourquoi chaque fois, tellement que tu y tiens à faire, à organiser ce truc de pique-nique, tout ça. Il a dit, en fait, ça, c'est le fait que, pour réunir tout le monde en une seule place, pour que les gens, les nouveaux arrivants, ceux qui étaient là, les enfants, puissent se connaître et par la suite, avec ça, il y a une certaine union qui arrive. Et c'est la raison pour laquelle il a dit, mon but était pour ça. Et en même temps, ce que j'aimais, en même temps, il faisait le DJ, et en même temps, il lançait des blagues sur chaque personne. Des fois, il lançait sur moi, sur l'autre. Et puis, ça faisait de l'ambiance, en fait. Et ce que j'aimais, c'est sa façon de dire dans le Facebook, ça. Et puis, la première fois qu'il avait dit ça, les gens se posaient des questions. Wow, qu'est-ce qu'il veut dire? Et puis, la plupart des gens pensaient qu'il était somalien, tout ça. Et il faisait, en fait, il créait une certaine confusion. Et je ne l'ai jamais entendu, je ne m'attendais jamais que quelqu'un allait lui dire ce genre de choses. Mmh. Et il était vraiment drôle. Et puis, je ne sais pas, on ne peut même pas l'oublier, cette personne. Maintenant, on a décidé de faire une mémoire chaque année pour qu'on ne puisse pas l'oublier complètement. Chaque année, il y aura une sorte d'anniversaire en sa mémoire, où on va présenter tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a entrepris, et pour qu'il reste toujours gravé, surtout au Canada, et parce que la plupart de son héritage est ici. Mm-hmm. Et nous avons décidé de faire ça. Et je suis vraiment très fier d'avoir aussi assisté à cette émission. Je te remercie beaucoup, Zainab, pour ça. Et Inch'Allah, peut-être que si on vit toujours prochainement, on pourra refaire ça et puis présenter d'autres choses aussi en sa mémoire, Inch'Allah. On t'entend pas, Zainab. Parfait. Et maintenant? Oui. Oui, ouais. D'accord. Merci Camille, je disais ça. Est-ce que Camille, tu peux nous expliquer d'abord, avant que j'aille avec une autre personne, avec un autre invité, est-ce que tu peux nous expliquer d'où vient le mot Afar Dialo? Afar Dialo. Comme tu as dit, beaucoup de gens pensaient que c'était qu'il était de mère Somalie et que des gens disaient que peut-être parce qu'il y a une tribu somalie qui s'appelle Afar Dialo, hein. Donc on disait, les gens pensaient qu'il était de père Afar et de mère Somalie, de tribu Afar Dialo, et qu'il a fait Afar Dialo comme ça. Mais en fait, tu peux nous dire d'où est-ce que ça vient? Exactement. Je suis pas sûr, mais d'après ce que moi j'ai compris de lui, c'est que en fait, il a amené ces mots Afar Dialo, cette phrase, c'est pour en fait une façon de réunir une communauté en fait qui est complètement dispersée, c'est-à-dire communauté joussienne là complètement éparpillée, pour les ramener ensemble pour dire que Afar Jaelo, alors c'est des choses, c'est une communauté qui devrait rester ensemble, non pas être à l'écart à cause de propagande et tout le reste des choses. Je pense que c'est ce que j'ai compris de lui. Mais au fond, je ne sais pas vraiment, on a malheureusement raté de lui demander cette question devant un public là. D'accord, très bien. Allah yirhamou. Allah yirhamou. En tout cas, qu'il soit Humud, qu'il soit Ablis, qu'il soit Afar Dialo, il était notre frère et on l'aimait tel qu'il est avec tous les surnoms qu'il avait, tous les nicknames qu'il avait, et on gardera de lui avec tous les surnoms qu'il avait, Inch'Allah. Il restera gravé dans nos cœurs. Donc maintenant, je vais redonner la parole, je crois, à Samy, qui m'a l'air bien pensif. de tes idées. Tu vas nous parler un peu de notre rire très frère au niveau de Sotkam. Oui, oui, d'accord. Effectivement. Mmh. Voilà. Oui, alors, franchement,
Al-Marhoum, en tant que, bon, là, je vous parle en tant que membre de Sotkan, mais il faut dire aussi, Sotkan, c'est un organisme à but non lucratif qui est assez jeune, mais qui a quand même un petit passé de un an, on va dire. Et Sotkan, anciennement appelé Jibkan, et c'est Jibkan qui a fait naître Sotkan, et justement, Al-Marhoum était là. Dès la première pierre du comité Jibkan. Et donc, Al-Marhoum, franchement, bon, avant d'arriver à la réalisation, je voulais juste un peu mentionner que, bon, comment est né Jibkan et comment Al-Marhoum s'est embarqué là-dedans. Bon, d'abord, Sotkan, juste pour être. Pour que ça soit un peu dans l'ordre, Sotkan, c'est un organisme à but non lucratif. Oui. Et c'est un organisme qui est vraiment à la disposition de la population canadienne, a priori d'Ottawa, parce que bon, c'est une question de proximité, mais aussi djiboutienne. Forcément, dès qu'on est appelé à s'embarquer dans un projet qui nous semble valable, on n'hésite pas à faire le tremplin avec Djibouti. Qui est d'ailleurs, c'est ça qui était à l'origine de Jibkan. Jibkan est né à la suite des inondations qui ont eu lieu en 2019. Voilà, l'automne 2019, c'était franchement, Djibouti était complètement inondé. C'était des pluies diluviennes. Et donc, il paraît qu'en espace d'une semaine ou 15 jours, il a plu ce que normalement il pleuvait en 5 ans ou 10 ans. Bon, tout le monde s'en souvient parce qu'on a été tous concernés. Et donc, dès les premiers jours des pluies diluviennes, il y a eu une réaction instantanée suite à l'appel de notre grande sœur Rodamus. Elle a lancé un appel sur Facebook disant « Bon, hé, la gang, on ne peut pas rester les bras croisés. Elle nous file un rendez-vous, telle date, telle place. » Et puis voilà, donc tout le monde a répondu à l'appel. Et on ne pouvait pas savoir comment la salle était pleine à craquer. Il n'y avait pas de place. On était là, serrés comme des sardines. Et entre autres, Al-Marhoum était là, bien sûr. Qui a répondu présent à l'appel. Donc, on était là tous, vraiment, tout le monde était là de bonne volonté pour secourir nos frères et sœurs du pays. Wallahi, avec recul, quand j'y pense, nous, les Djiboutiens et les Djiboutiennes, on peut être fiers de nous-mêmes. Franchement, on n'hésite pas à intervenir pour aider nos frères et sœurs. Et puis, on a quand même une générosité et une compassion et illimitée. Et on a vu d'ailleurs à travers ce projet-là de Jibkan, qui consistait à venir en aide aux familles qui avaient tout perdu dans les inondations à Djibouti. Donc, comme ça, quoi, bon, bah, c'est parti de cette idée-là, il faut qu'on fasse quelque chose, et on s'est tous retroussé les manches. Bien sûr, au début, on était un peu éparpillés, ou bien on s'angoissait par la mise en place du projet. Mais heureusement, Al-Marhoum était là, c'était lui avec son tempérament « peace and love », cool, c'est vraiment ça nous a aidé de pas perdre de vue notre projet et l'idée principale, quoi. Donc ça m'a donné l'occasion de connaître Al-Marhoum sur ce plan-là. Je m'étais jamais embarqué dans un projet commun où il était là. Donc là, j'ai vu franchement comment Al-Marhoum, il s'est démené, il s'est décarcassé. Franchement, il a pris à cœur la cause et il a travaillé fort. Et quand on voit qu'est-ce qu'on a fait, franchement, en un mois et demi,
On avait organisé une collecte de fonds, on avait clôturé notre collecte de fonds par un concert live, un dîner bénéfice. Et ça a demandé quand même une organisation. Il faut dire que c'était, bon, moi, enfin, ce qui me concerne, j'étais novice, hein, mais franchement, on a relevé le défi haut la main, quoi. Et du coup, on se retrouve avec un résultat final de quand même plus de 15 000 dollars hein, dans notre caisse. Et c'était pas négligeable, quoi. Et avec cet argent-là, on a pu offrir des kits alimentaires, des produits alimentaires aux victimes de Djibouti. Et chaque famille avait reçu un ensemble de produits alimentaires d'une valeur de 25 000 francs. Et figurez-vous, on a pu servir ou avoir 100 familles quand même, 100 familles qui ont bénéficié de ça. Donc, c'était… il y a de quoi être fier de nous-mêmes et de toute la communauté djiboutienne dans son ensemble, parce que sans eux, on n'était rien. On n'aurait même pas pu faire quoi que ce soit, quoi, malgré la volonté, les efforts. Et Walmarhoum aussi, lui, franchement, moi j'ai toujours… sa contribution, elle était illimitée. Franchement, il était là, créatif, il avait les idées qu'il fallait, c'était lui qui nous régulait, c'était, il disait non, on va faire ça, on ne fait pas ça, machin. Il servait quand même de conseiller, ça se voyait que c'était quelqu'un qui avait tourné sa bosse, hein, qui avait du kilométrage sur son dashboard, quoi, dans son moteur, parce que c'est pas tous les jours qu'on réalise un projet d'une telle envergure. Et d'ailleurs, je lui ai toujours dit, Hamad, wallahi, franchement, c'était une expérience, mais formidable, quoi. Et on s'est tous félicités, on s'est tous remerciés. Et Hamad, je lui ai dit, wallahi, toi, tu mérites un A++, mais partout. Partout. Franchement, par exemple, concrètement, c'était lui qui nous a trouvé la salle où on a organisé le concert et le dîner bénéfice. C'était lui qui avait loué ça. Il avait un A+ parce qu'il a vendu plus de 50 de billets pour la soirée. Donc, multiplié par 3, c'est par 30, c'était dans les 1500, 1600 dollars. C'est lui… Ouais. Excuse-moi, je vais essayer de t'interrompre un peu parce que je crois que je ne sais pas si vous avez remarqué, on a notre frère Dilet Tatoura. Oui. Oui, parce qu'on ne pouvait pas passer. Burhan avait parlé du restaurant et de la musique que Dilet avait fait. Oui, Arhotoba, voilà. On ne pouvait pas parler d'Arhotoba sans Dilet parce que Dilet, c'est Arhotoba. Zeynep, tu as bien fait d'arrêter. Zeynep, ouais. Tu as bien fait d'arrêter Samy, parce que là, on était proche à pleurnicher. Là. Il était sur une bonne lancée, mais je ne voulais pas l'interrompre. Mais Dilette m'avait dit qu'il n'avait plus de charge et qu'il fallait que je le rattrape au plus tôt possible. Mais je vois qu'il n'est pas là avec nous. Alors, on va le reconnecter. Je voulais juste rajouter par rapport à ce que Samy a dit un peu de Ablis. Samy et même nos auditeurs, auditrices qui nous écoutent, Ablis, c'était quelqu'un, tout ce qu'il faisait était une excuse. Il y a des actions à faire, mais au bout, c'est pas son objectif, c'est pas le A+ de chaque activité. C'était une excuse pour rassembler des gens. Tout ce qu'il faisait, voilà, il était impliqué pour rassembler les gens. C'était une excuse. Et puis là, on a Dilet avec nous, probablement. Oui, on a Dilet avec nous. Dilet, on ne peut pas parler de Allah Rahmet de Mourhoum et de Arhatov, je disais, sans Dilet, on t'accueille avec plaisir sur Sahan TV, brother. On te donne la parole à toi de t'exprimer. Donc,
Sois le bienvenu sur Saham Brother. On te salue tous. Tout à l'heure, j'entendais bien toi, je t'entends moi. Ok, là tu m'entends? Oui, bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum. Alaikum salam. On m'a invité, je suis honoré. Ah, c'est vraiment un plaisir. Là, je suis en train de marcher à côté de chez moi et ça a coupé. On t'entend pas, Zeno. Ah, vous m'entendez maintenant? Là, oui, on t'entend. Oui, parce que j'ai sorti, j'étais en mute lorsqu'il parlait. Inch'Allah, à chaque fois qu'il dit l'État, il a la chance de revenir, on va le laisser. Ce que, pour compléter un peu ce que Burhan a dit, ce n'était pas les A+ qu'il cherchait, mais c'était plus fort que lui, c'était vraiment lui, c'était ce qu'était Ahmed. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, il m'avait accompagné aussi dans la levée du fond de notre frère, le jeune Liban, qui a été... Oui. Vous vous rappelez, Burhan et Kadhi, est venu vous voir au pique-nique, là. Il était maître, il était vraiment le chef de projet de ce projet-là également. Donc, jusqu'à la dernière soirée, c'est lui qui gérait tout ça de A à Z. Il m'avait accompagné également. Donc, c'était vraiment quelqu'un de fantastique, indescriptible. Alors, à moins qu'on continue sur ça, on va donner la parole. Je crois que Sotkan est fini. Je voulais juste rajouter. M'a dit Camille. Voilà, brièvement. Je voulais juste rajouter que, bon, c'est vrai qu'il nous a beaucoup aidés là-dedans. Et pour dire que Ablis, franchement, il avait l'étoffe d'un leader. C'était quelqu'un, quand il s'embarque dans quelque chose, ce n'était pas quelqu'un, un disciple de des choses à moitié faites. Il fallait que ça soit parfait. Il fallait aller jusqu'au bout parce que j'ai pas pu rester insensible et ça m'a beaucoup inspiré parce que j'ai surtout senti qu'il avait l'intérêt général qui passait avant toute autre chose et le souci du travail bien fait, c'est-à-dire comme il disait, bon, on fait quelque chose mais il voit les choses dans son ensemble, il voit aussi le bénéfice que la population va en tirer. Donc, c'était un visionnaire, comme disait notre intervenant. Moi, je trouve que Allah Irhamo, il a eu une courte vie, mais je suis hyper convaincu qu'il a vécu pleinement sa vie. Il n'a jamais cessé de donner un sens et une direction à sa vie en la liant à celle des autres. Ne serait-ce que pour être utile. Samy, je vais juste interrompre. J'ai eu la chance, Ablis est décédé un lundi 11 janvier. Mm-hmm. J'étais avec lui le samedi, le week-end avant. Et puis, je me rappelle, je lui ai demandé, mon frère Humad, s'il y a des choses à refaire, qu'est-ce que tu allais refaire, you know? Je demandais un conseil parce que c'est quelque chose de personnel par rapport à moi et lui. Et puis là, il m'a dit, tu sais quoi? S'il y a quelque chose à refaire, j'ai commencé, mais je n'ai pas pu réaliser. Il voulait être un life coach. Et puis, life coach, mais pas avec les adultes, mais avec les jeunes. Parce que c'est quelqu'un qui se souciait de la relève, you know? Puis dans la communauté, il a commencé déjà à impliquer les jeunes pour enseigner la culture, les danses traditionnelles avec Camille et puis Habib, you know? Et puis on voulait créer un autre partenariat avec. Il y avait un autre organisme djiboutien aussi qui enseigne la culture somali, tout ça. Et on voulait comme ramener les deux ensemble pour impliquer nos deux communautés et puis travailler pour promouvoir la culture ici localement et non que ça soit l'habit traditionnel et puis les mouvements et non la danse, les chants et puis il manquait que ça mais est-ce comme mission de Ablis, moi je dirais je pense qu'il a accompli la mission. Il a accompagné ses enfants. Il habitait à Ottawa. Sa famille a déménagé. Ses enfants sont partis à Toronto. Il a rejoint sa famille. Par la suite, il est revenu à Ottawa ici. Les enfants
aujourd'hui, ils ont fini leur parcours secondaire. Sa fille étudie aujourd'hui des études supérieures. Donc, c'est quelqu'un qui pensait à la relève. You know? Mm-hmm. Et aujourd'hui, que ce soit Sotkan ou bien la communauté djiboutienne a vraiment, on a tous perdu quelqu'un qui est comme Ablis, Humad, même si sa vie était courte, je pense qu'il a accompli. Mm-hmm. Une des photos, je ne sais pas, la toute première photo, ça disait en bas, sa mission est accomplished. His mission. Mission accomplished. Voilà. Mais c'est à nous aujourd'hui de prendre et puis de ne pas laisser ce vide-là. Et puis, je pense à Ottawa, il y aura le nom de Humad va rester. Et nos enfants, pour eux, c'était Oncle Ablis, le DJ. Hein? Mm-hmm. Et puis, il y a des enfants qui ont été vraiment affectés par le départ de Ablis assez tôt. Si je peux ajouter, sur ce que Burhan disait. En fait, oui, c'est quelqu'un aussi qui a préparé durant sa maladie. Beaucoup de gens ne savaient pas qu'il était malade. C'est là où je voulais ils l'ont su juste quelques temps après, quand il lui restait quelques temps. Et les gens étaient très surpris. La majorité des personnes ne savaient pas, juste parce qu'ils voulaient. Et en fait, ce n'était pas pour cacher, mais c'était pour en fait, que les gens ne s'inquiètent pas. C'est-à-dire que c'est une maladie qui arrive à tout le monde. Certaines mères pas à partir des maladies, d'autres mères même en étant en bonne santé. Même il a préparé ses enfants aussi dans ce long processus. Même si par la suite ils étaient très surpris. Camille, je vais t'interrompre, brother, parce que Dileta est avec nous, on va lui donner la chance. Dileta, finalement tu nous as rejoint. Ah non, non, on peut laisser Camille terminer. Vas-y, Dileta. Salam alaikum, grand frère Dileta. Salam alaikum, pardon. Salam alaikum, Camille. Voyez Sami aussi, ça fait plaisir de vous revoir, les gars. Et Burhan est là aussi. Merci Zainab, merci de m'avoir invité. Pour cette journée spéciale. J'avais commencé à parler, j'étais dehors dans Ablis. Encore, il a coupé. Encore, on a perdu. Vous savez, Zainab, que Dileta et Ablis, ils étaient tellement très proches et ils avaient, en fait, c'était des gens. Dileta aussi était quelqu'un de très rassembleur. Le jour où il nous a quittés, Dileta, il y a eu une vie totale. Mais et par la suite, le sauveur était Marcus. Il a continué, il a suivi, il a continué la voie avec, tout en étant. Exactement. Oui, c'est vraiment. Ce sont des gens qui ont beaucoup fait pour leur communauté. Pour la communauté. Là. Je voulais un peu rebondir un peu sur ce que Burhan disait par rapport à la mémoire et l'héritage que Ablis va nous laisser et qu'on allait l'honorer chaque année. Justement là, je voulais profiter de l'occasion aussi pour annoncer un scoop. Faisant partie de la raison pour honorer la mémoire et surtout faire vivre la mémoire de Marhoum, son esprit de rassembleur, Sotkan va octroyer annuellement une bourse qui va porter son nom, Marhoum Muhammad Ali Mohammadi. C'est une bourse qui est destinée aux jeunes lycéens ou qui sont au secondaire, qui ont fini leur secondaire, et c'est pour les récompenser pour leurs efforts académiques et puis leur effort dans le bénévolat. C'est l'état de retour. Ouais, c'est un appel que aussi je lance au nom de Sotkan à toute la communauté. Dileta est de retour avec nous. J'espère qu'on va pas le perdre. Je vais pas. Je, 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 je,
Je ne vais pas vous couper, je vais être bref. Et merci beaucoup, je ne vais pas vous embêter plus. Tu peux plus. Parler en affaires, hein, tu sais que tu peux parler en affaires, on est des Mais est voilà, vas-y, c'est exprime-toi en affaires. Oui, aucun problème. Non, aucun, les affaires, oui. Ils le connaissent très bien aussi, ils savent qui il est, Ablis. Mm-hmm. De tous les côtés, dans le triangle phare. Mm-hmm. Donc, voilà. Manato, Bana. Kasitanama, Ahmed Ablisi, Yana Hai, Rakakil Angrak, Karim Frama, Arutaba, Hadumaki Dabisugi, Arutaban in Hadi. C'est ça, Yan Sol. Tikisi de Hatu, Tanabi, Manato Akibahi, and Yani. Dommage. Problème ça, de réseau. Ça, c'est l'internet de Djibouti, hein. Dommage. Ouais, vraiment. Ouais. Il faudrait, Burhan, n'oublie pas de parler. Non, de en fait, oui, je voulais dire comme quoi, Dilita Trab voulait dire que Ahmed Ablis était un des membres fondateurs de Arhutaba, ici à Ottawa, dès le début, au Canada. Et puis, et aussi membre fondateur, président d'honneur hein, de l'AXAO, parce que Ahmed a été président, membre fondateur de l'AXAO. Ensuite, il a déménagé à Ottawa parce qu'il a laissé, il a passé le flambeau. Par la suite, il est revenu parce que il y a eu appel, Ahmed, il faudra, les membres ont appelé encore Ahmed à revenir et puis se mettre au travail. Et il a continué à redevenir président de l'AXAO. Et il a passé le flambeau lors d'une assemblée générale qui a eu lieu le 16 mars 2019, si je ne me trompe pas, oui, 2019, mars, oui. Et ensuite, ça a été homologué officiel au mois d'avril 2019. Et dans la nouvelle constitution de l'association, il a été nommé président d'honneur. Le seul. Oui, il y a eu plusieurs présidents, mais le seul, lui qui était vivant à l'époque, Allah rahmo, il a été nommé président d'honneur parce que c'était quelqu'un, même s'il était à l'écart, même s'il était loin, même s'il était dans une autre ville, il était toujours là pour aider et puis aider l'association parce que c'était quelqu'un qui croyait en cette entité et puis il disait au-delà de la communauté, c'était le fait de créer une certaine cohésion, de ramener parce que les affaires vivent dans trois pays. Et puis les trois membres de ces communautés, de ces trois pays vivaient à Ottawa. Et il fallait ramener tous ces gens-là ensemble parce que le combat, que ce soit politique, culturel, est différent. À part la culture, mais le combat politique, les demandes, je veux dire, le struggle que vivent ces trois pays, les luttes que mènent les trois communautés dans les trois pays étaient différents parce que c'était, les parties prenantes étaient différentes aussi. Voilà. Du moment qu'il a accompli cette mission de ramener ensemble, spécialement à Ottawa, et par la suite, il y a eu une diaspora à faire aux États-Unis, il y a eu une diaspora en Belgique, il y a eu une en Europe, Belgique, France. La plupart ont essayé de copier. Et le maître dans ça, c'était Ablis. Et les gens consultaient Ablis pour dire comment tu as réussi, on aimerait bien continuer ici. Et puis par la suite, tout ce qu'il a pu réaliser, il allait voir les autres, c'est-à-dire la communauté djiboutienne, la communauté arabe, et même après, éthiopienne même, pour ramener et puis créer cette cohésion. Et puis tout projet pour Ablis, c'était comme... C'était une excuse, moi, je dirais, parce que je l'ai assez connu. Lorsqu'on parle, « Oh, t'es dans ça, t'es dans ça, t'es dans ça. » Mais pour lui, c'était des excuses pour ramener des gens ensemble, créer cette cohésion. Voilà. L'objectif pour lui, c'était pas de réaliser, de faire. Bien sûr, lorsqu'on s'implique, on s'engage. Chacun de nous a des tâches à faire, a des actions, a des rôles à jouer. Mais pour lui...
tout à l'heure, le fait de dire il est visionnaire, la communication, les jokes, là, you know, c'était quelqu'un d'imprévisible. Aujourd'hui, j'ai l'impression, Sahan TV, il y a l'esprit de Ablis, le fait d'avoir un Hassan Morbel, d'avoir Dileta, d'avoir, je ne sais pas, et non, je m'attends à... c'est comme... Ouais, ça, c'est l'esprit Ablis. Oui, lorsqu'il était là, exactement. Au stand, parler, il pouvait sortir des choses qui fait que tel et tel qui ne se parle pas, ils jettent quelque chose et puis à la fin, les gens sont ensemble en train de... Voilà. Ça, c'est Ablis. Et aujourd'hui, on a l'impression de voir cette... que son âme repose en paix. C'est beaucoup d'émotions, c'est beaucoup d'émotions, c'est beaucoup de fierté, c'est beaucoup d'amour, c'est beaucoup de... C'est un sentiment mêlé. Hein. Je veux pas à la fin être triste et puis... Mais je veux garder une belle image de mon frère, de notre frère, Allah yarham Mohamed Ali Mohamed et Ablis. On peut lui donner tous les noms, mais il reste gravé dans nos cœurs. C'était quelqu'un de... Tout ce qu'on a dit sur lui, c'est ce qu'on ressent, vraiment. C'est pas pour le bro, c'est pas pour le flatter, pour dire autre chose, mais vraiment, preuve, c'est que cette fraternité, cet amour, Mohamed a pu rassembler. Vous voyez, aujourd'hui, c'était une exception. Comme Burhan l'a dit, on a été contacté par un doyen qui connaissait très bien Mohamed en la personne de Hassan Morbel, qui était en France. Dileta nous a contactés aussi parce qu'il savait que je faisais l'émission aujourd'hui. Je ne pouvais pas faire l'émission sans prévenir Dileta. Je lui dis, c'est un hommage à ton frère, tu peux me contacter anytime. Mais malheureusement, on a vu que Dileta, il n'a pas pu nous rejoindre à cause de, bien sûr, vous savez, l'Internet à Djibouti, ce n'est pas évident. Mais je crois qu'on est vers la fin de notre programmation d'aujourd'hui. Vous voyez, on avait dit une heure, mais les amis, on est à 1h31. Hein. Avant de résumer, je voulais vous donner la parole avant de clôturer l'émission. Quelque chose comme 5 minutes chacun, résume. Vous avez 5 minutes pour résumer un peu notre émission aujourd'hui. Et moi, je vais clôturer par la fin. Okay. Alors, moi, je veux bien commencer, mais avant tout, je voudrais juste pour être complet par rapport au fait d'honorer la mémoire de Ablis annuellement, je voulais un peu relancer l'appel de Sotkan à toute la communauté afar, djiboutienne, arabe, donc djiboutienne dans son ensemble, que s'ils veulent s'embarquer dans ce projet-là avec nous, ça serait bien. Et ça, en même temps, ça va, le nom va rester gravé et ça va aussi encourager les jeunes à performer dans leurs études, dans le bénévolat. Ça va être comme un incentive. Et non seulement ça sera, parce qu'il ne faut pas oublier, je serais incomplet aussi si je ne parle pas d'un autre membre à nous qui est décédé l'année dernière, Allah yarhamo, Ibrahim Usman Hashi. Donc là aussi, en son honneur, on va remettre une bourse qui va porter son nom. Donc mes condoléances à toute sa famille. Voilà, pour avoir plus d'informations, ça sera sur le site de sotkan.org et puis sur le Facebook très prochainement. Sinon, par rapport à Ahmed, il faut pas oublier, moi je vois toujours son sourire et son rire. Hein. Il avait franchement éclatant. Et d'ailleurs, ça m'a marqué jusqu'à la fin. Quoi. Maintenant, si on parle de Ahmed vers la fin, ce qui m'a vraiment marqué, c'était son courage et sa résilience. C'est-à-dire, face au verdict de cette maladie incurable, il est resté debout. Il est resté debout, il ne voulait pas se laisser abattre, il voulait continuer à vivre comme tous les jours, comme n'importe qui. Il avait, au contraire, la rage de vivre était là, l'envie de vivre, le vouloir d'être là. Chaque instant, le maintenant, l'immédiat, ça c'était très 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 précieux. Il ne voulait pas perdre une goutte, un moment de ça. Il était là, il sortait, il me disait, j'ai la chance de marcher, de parler, je veux profiter de la vie et continuer à vivre normalement. Et il a fait ça jusqu'au bout.
Il a fait ça jusqu'au bout. Il était serein, il était lucide, il savait qu'est-ce qui lui arrivait, mais ça ne l'a pas du tout handicapé. Hein. Donc ça, je garde ça forever en moi. Voilà, je vous repasse la parole. On ne t'entend pas, Zeno. Zeno, on ne t'entend pas. Oui, je m'excuse. Merci beaucoup à Samy. Merci beaucoup pour cette fin touchante là. Et je vais passer la parole à Camille maintenant pour que lui aussi il apporte son summary, comment dire, sa conclusion. Oui, merci beaucoup. Oui, il m'a marqué comme tout le monde. C'est quelqu'un que je n'oublierai jamais, même vers la fin de son temps. J'ai discuté avec lui. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Est-ce que tu veux qu'on prépare un billet de voyage pour que tu ailles voir la famille pour le reste du temps? Il a dit, écoutez, tout en étant émotionnel, il a dit, non, moi, ma famille, vous êtes ma famille. Vous êtes là, c'est vous qui êtes ma famille. Et aujourd'hui, je suis tellement fier que je suis pas, c'est-à-dire que les gens ne se sont pas éloignés de moi. Je suis tellement content que de vous voir et d'être près de moi chaque minute, chaque seconde du temps qui me reste. Et ça nous a vraiment vraiment touché. Et puis il nous a laissé un message en disant, s'il vous plaît, ne lâchez pas. Surtout, sachez que vous avez des enfants et ce sont ces enfants qui devraient prendre le relais de cette association et demain après-demain, c'est-à-dire parce que tout le travail que je faisais, il disait que c'était pour l'avenir de ces enfants, que demain, de tous les problèmes qui existent ici au Canada, pour que ces enfants ne tombent pas sur ce mauvais chemin, mais pour qu'il reste sur ce droit chemin. Alors, il y a un devoir encore à faire qui n'est pas encore fini. Alors, comme moi, mon temps est arrivé, moi, je vous le laisse. Alors, s'il vous plaît, encadrez ces enfants, encadrez leur mère. Beaucoup, beaucoup, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et restez unis. Restez unis, ne partez pas. Ne vous disputez pas pour des choses qui n'ont pas vraiment banales, qui sont banales ou qui n'ont pas d'importance. Alors, restez ensemble, restez unis. Et pour une dernière fois, Zeynab, je veux dire ce que je viens de dire en affaire. توعدنا آخره تبكرتك عبل سكي يلي أدناك تأسي خيرك هاي حي وسكو دوهك بياكتك يليه وعدي وقتك تونا ميرو كهراته توعدنا وكلي كاسره تبكرته محقوها بدودا سفرها كوربو سفرها كوربنو ونه تلمك حوال هاي ما سفرها هاي مقرة لكني يوك برمر هاسا كتنمي سيني يهرع تميسيني ليومو سيني إكي إنكتيا سيني الحبا أسا كنا بارو لنني معي حالة نعم ورو قدنا ورو وما قتها بيت باروي وعدنا سيني كرحمين أنواع يقول لك حينمي كن سبتاي كن معي قتل هينك أوروه أورو مهورنا أورو تعبا سيني دايلو تعباي سيني ناقب إكاي تهي انت تاما أن يكرع ما يكرع تيتنكي تكل ما يسيدنا. نما هكا إجلها فكا سعوتي كادنا أوي فرورو تيهي يوكل سعوتي تكاي كايتو بكوي إنكي عفرتك يا إيانا ما ني هوينوان نموي هوينوان تو بكوي تاي يلا الدنيا تايس إخراكا يا حي كاكرع تيتن دايلو إيمانكي سبري كاي دليناي كايتو بكوي إنكي يلي إيمانكي سبري حي. أوكي قدقيا قدقيا نكامل برادر قدقيا بطن جو دوني لا parole à mon frère Burhan Mohamed Burhan à ton tour brother de dire
Merci Zainab. Juste pour finir, moi j'allais dire à Ablis, Hummad, mon frère Hummad, il prenait la solidarité, l'entraide, et puis je pense c'est un peu le mandat aussi de Sotkan, et puis Hummad était aussi dans le conseil d'administration à un moment donné, donc j'espère que la communauté ici à Ottawa pourront participer à ce projet-là de Sotkan, qu'on puisse réaliser à travers Sotkan et puis mettre en place ces quelques projets qui n'ont pas été encore réalisés de Hummad, avec Sotkan et puis les autres communautés à Ottawa. Voilà. Parlant, lorsqu'on parle de solidarité, Hummad, c'était la solidarité, Hummad, c'était l'entraide, Hummad, c'était l'écoute. Et puis, c'est une place où on pourra participer pour essayer de... il est parti, ils sont partis, Hummad, et puis l'autre membre de la communauté, il s'appelait Ibrahim. Oui, voilà. Voilà, Ibrahim. Et puis, c'était deux personnes vraiment très généreuses et puis qui prenaient la solidarité et puis l'entraide. Donc, je pense, avec les autres membres de la communauté ici à Ottawa, on pourra, avec la participation, c'est important que les gens participent, qui nous écoutent aujourd'hui. Et puis, ils peuvent contacter Sami. Et puis, Sami, tu pourras donner les coordonnées à Sotkan. Exactement. De Sotkan. Voilà. Les coordonnées sont... Nous avons le Facebook Sotkan, sinon sotkan.org. Et tout à fait d'accord avec toi, Burhan. Sotkan, c'est djiboutien. Moi, c'était djiboutien. Donc, il faut qu'on on fasse des projets ensemble pour le bien de la communauté. Et je peux vous dire que Hummad, Allah irhamo, et Ibrahim, de là-haut, ils seront fiers de nous. On a oublié de mentionner comme le c'est-à-dire l'aide aussi, le soutien aussi qu'il avait fait avec WIM. Oui, il avait beaucoup organisé aussi beaucoup de choses avec WIM. C'est-à-dire de jeunes djiboutiennes qui avaient une association qui englobait les trois ethnies, c'est-à-dire Somali, Arabe, Afar. Et il a beaucoup travaillé avec cette association aussi. Voilà, c'était pour ne pas oublier. Merci beaucoup Camille d'avoir rappelé aussi que notre frère avait contribué avec l'équipe de WIM de Montréal, nos sœurs de WIM de Montréal, qui je crois, qui sont connectées et qui vont rendre honneur aussi à leur manière à notre frère décédé, Hummad Ali Mohammadi. Hummad, comme on a dit, ça aurait pu nous prendre toute la journée, 2 heures, 3 heures pour décrire qui était Hummad, mais on a essayé, tant bien que mal, de faire un résumé de ce qu'était Hummad. Mais Hummad, il est là, il est dans nos cœurs, à chacun de nous, il restera gravé dans notre cœur, et c'est notre responsabilité à nous d'honorer sa mémoire, que ce soit à travers AXAO, que ce soit à travers WIM de Montréal, que ce soit à travers Kango Afar, que ce soit à travers SOPCAM, qui est une association, comme disait Sami et Burhan, qui est basée à Ottawa, une association de solidarité, d'entraide, qui fait le lien entre les Djiboutiens et les Canadiens, qui est ouverte à tout le monde. Et moi, en tant que Zainab Ismaël, membre de la communauté djiboutienne, je vous invite et puis je vous garantis que cette plateforme Sahel TV, tant que je serai une animatrice parmi l'équipe de Sahel TV, elle sera ouverte à tous les Djiboutiens, quel que soit leur bord politique, social, humanitaire, etc. Donc, Sotkam, vous avez une plateforme pour vous, hein, les amis de Sotkam. Et c'est un honneur aussi pour moi d'être parmi les membres de Sotkam. Vous pouvez me contacter anytime, je vous rejoindrai selon mes possibilités. Je suis prête à vous donner mon coup de main. Parfait, excellent, merci. À tout le monde, merci à tout le monde. De rien. La porte est ouverte à tout le monde. Oui, et puis c'est important aussi de soulever la mémoire de notre regretté frère, exactement. Merci Sami d'avoir pensé à lui. Ibrahim Esman Hashi, qui était vraiment aussi quelqu'un de très impliqué dans la communauté, qui était quelqu'un de très, très humain aussi,
très disponible, avec beaucoup de valeurs humaines, que Dieu nous a repris aussi, qui a été emporté aussi par le cancer. On renouvelle nos condoléances à sa famille, à sa femme, à son épouse et à ses filles. Que Dieu les accueille tous les deux dans leur paradis de Jannat al-Firdaws wa al-Na'im. Qu'ils soient parmi les meilleurs. C'est ça, parce qu'ils étaient les meilleurs sur cette terre. On espère qu'ils seront les meilleurs aussi auprès d'eux. Et puis, je ne peux pas passer cette émission sans remercier la famille qui avait accueilli les 5 derniers mois notre maigre frère Mohamed, à savoir le frère, si je ne me trompe pas, Hamad Oumar et son épouse Mariam Shahim. Subhanaka ya Adim, que Dieu vous récompense pour tout ce que vous avez fait. Vous avez été à côté de notre frère. On savait tous que Mohamed était célibataire et vivait seul à Gatineau. Cette famille a décidé de l'accueillir et de le garder auprès d'eux, de soulager, de passer les derniers moments avec lui. Je crois qu'ils ont fait un travail extraordinaire que seul Dieu pourra le récompenser. Il faut vraiment les remercier aussi. Ils avaient leur chez eux, leur ouvert tous les samedis. Exactement. Toute la communauté pouvait venir rendre visite à Ahmed, parfois même le dimanche. Mashallah, exactement. J'étais passée un jour également pour lui apporter à manger, je me rappelle. Donc, je sais que la maison était bien ouverte. Mm-hmm. Je salue également à cette occasion, mashallah. Je fais un gros coucou de ma part et de la part de Sahan TV, de la part de tous les Djiboutiens, de la part des frères qui sont présents, à mon neveu, à ma nièce, Émilie et à Haned. Tati, on est là pour vous. Sachez qu'on est là pour vous, qu'on sera toujours là pour vous, que votre père était un de nos frères, donc nous sommes par définition vos tantes et vos oncles. Donc, anytime que vous avez besoin de nous, sachez que vous êtes là. Vous n'êtes pas tout seul. Vous avez toute la communauté djiboutienne derrière vous. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire un petit mot en somali pour clôturer notre émission pour faire comprendre aux gens que Sahan TV, c'est une plateforme virtuelle djiboutienne. C'est une télé djiboutienne qui donne la priorité aux djiboutiens, peu importe leur langue d'origine, que ce soit le somali, l'afari, l'arabe. Et je suis très fière aujourd'hui et très honorée d'avoir présenté cette émission en tant que Zainab Ismail Ahmed, petite fille de gendarme qui a grandi à Ogea, qui a grandi à Nguela. Vous voyez un peu, je suis djiboutienne, et qui a fini par Cité Progrès en plein de Somaliens, avec Cité Progrès Fumbouli Carton. Donc, c'est vraiment un honneur pour moi. C'est quelque chose auquel j'y tenais tant. J'étais la première à contacter mes frères pour dire on ne peut pas passer cette occasion-là. Il faut qu'on fasse une émission sur Sahan. Et je vous remercie énormément pour tout le sacrifice, pour tout le temps que vous avez mis, la recherche et tout ça. Et tout ça. Vraiment, c'était un devoir. Parce que ça, sinon, on ne pouvait pas là. Alhamdoulilah, et je suis reconnaissante à l'équipe de Sahan TV de m'avoir donné cette occasion d'organiser cet hommage posthume. En dernier, je vais clôturer en somali. Alhamdoulilah, Adi Adban Ghoufar Hassan et Anguzine Bismaila, au Dadiya, à Bernamish que Sahan TV a, et à Bernamish que Walalke, Allah et Rahman Rahmin, Hamad Ali Hamadi, ou Abis Afasolo Yakani, ou Kof Adi Adban Ghoufi Mabana, Anaga Rirjibouti, de Magala de Ottawa. Canada ordan degan haddii Toronto tahay walaalahay waa kuwa kasoo shakeeyay haddii Montreal tahay wuxuu kasoo qabtay haddii Ottawa tahay qof wuxuu ahaa adoon subxaanaka ya adiim dooxuma oran karna ilaahay lahaaba qaatay laakiin adoon wuxuu ahaa taariikh ka tagay ciribtiisana cirif ficnaan lahayd oo qalbigayga saa u wada taabsaday marka aad iyo aad baan maanta ugu faraxsanahay inaan halka isugu nimidnay oo walaalkay taariikhdiisi xasno oo ma aragtay wuxuu soo qabtay aan ka sheekeyno oo aan faatixada u marno aan u duceyno si ilaahayna raali ugu noqdo waalidkii maanta maxaan ku dhahaa dadku ka baxayna haddii hooyadii aabbihii walaalihii tahay haddii ummadda reer jabuuti tahay haddii ummadda cafureed tahay meel kastay joogaan Ethiopia, Eritrea intaba ugu xidhnaa haddii maxaan ku dhahaa caruurtiisii tahay labadiisii caruuran halkan ka sheegnay Emilia Hanad si u xasuustaan u gartaan yiraahdaan wallahi aabbahay oo taariikhdii gelisa cajaladana way u hari doontaa markay weynaadaan bay xasuusan doonaan inta qofii wanaag aabood ka sheegtay ee la soo shaqeysay ee dadnimadiisa aqoontiisa qalbigiisii furnaa maxaan ku dhahdaa siduu insaan dayib uu ahaa ilaahay raalli ha ka noqday annagu raalli baan keen ilaahayna waxaan u barinaa rabbiga raxmaanka cazimiy wacala aad iyo aad baan unagu jecelnahay inuu ilaahay naga aqbalo ducadeyda adoonyaro diciifinaanahay ilaahay baa jeclaadoo naga qaatay isagii walaalkeennii kala tegay iyo intii mootaadkii naga wada dhimato dhan allaahi raxma raxmiin baan leenahay dhammaantiin annaguna midkaa socdaannahay
Alhamdulillah, Adban Gofarasana Walahay, Adi, Adban Nigumahanakaya, merci beaucoup, thank you very much. Adban Nugunahanakaya in lawyer Kinu Yimidimanta, Warren Chris, or Isoguna Wafi Ankashega Walakin, or Society, or the Maklasin, Mahankurada, Isoguna lawyer immigration at the Kiriju to Ubahana Osui, Alahiran Abukaga Su Abukafi Ananig lawyer Buyaha. marka wadan ka yimiday marka aad iyo aad intii la soo daadiisay barnaamijkan aad iyo aad baan ugu mahadcelinaya inagana aad iyo aad baan inagu mahadcelinaya ogaadana Sahan TV iyo barnaamijka anigu aan masuulka ka ahay ee sabtida soo gala waa barnaamij u furay reer Djibouti waa barnaamij maxaa ku raadaa aan qolo lehen waa barnaamij aan community lehen oo dhaafsan waxa soo dhan qofkii reer Djibouti oo dhan ba aalan wasaalan baan lahayn ku soo dhawaada Sahan TV afurti afshanti afi wada kale gaga hadlay waan ka wada hadalnay af Soomaali hadeen noqoto afar hadeen noqoto carabi hadeen noqoto french hadeen noqoto faransiis ingiriisi marka alxamdulillaah taas waxa tusaysa in reer Djibouti yihiin ee isa isku duuban yihiin aad baan inagu mahadcelinayaa walaalahay thank you very much mahadsantiin ilaahay miisaanka xasanadka waqtigiina hayni saaro waqtigeena oo dhamaantiin walaalkeena saan ugu duceynay ilaahay ha noo aqbalo in jaad yahay buri wa ku soo wada karnay laba kala saas kugu soo noban isku noban ayaa ku soo karnay Kamil Maxamed Roble wuxuu garanayaa afar markaan yaraasan ugu maamahay jiray maanta waxa igu raad aad afartaadi subhanaka ya adim wallahi alcadab wa ceeb weeyaan adban wax shoonaya xarada waxa Zainab Leeymo yaqaani abxeelay ugu yiri jiray odayaashi aska qadareeray Allah yarahma rahmi damaan Maxamed Roble Maxamed Kamil damaan tud marka maxan waxa ku soo xijeeyay aad ugu tiri I'm going to get the gay. maskaxda ku jirta subconscious-ka ku jirta way soo noqon doontaa in demiya haddii 10 isisan ka skaas minuut wallahi I will really appreciate adban aniga inuu inuu mahadcelinaa insha Allah insha Allah merci c'est bon j'ai compris monsieur ha ha merci beaucoup we made it insha Allah barakallah merci beaucoup Sahan TV aussi merci beaucoup à vous mes amis mes frères wallah ya qalbi gadi Sahan TV merci à toi dit chaalahay insha Allah isku dumnaana as jiclaano de fois comme ça en noqono xumad sa insha Allah insha Allah yizangi waxay saarantahay na responsabilité gula place ko occuper xumad Kamil et Burhan, qui ont mené la communauté affaires, de la communauté affaires avec les autres communautés, qu'elles soient arabes ou somalies, pour que les Djiboutiens restent unis comme ça. Ouais, c'est un défi que je vous lance, c'est un challenge. C'est à vous de remplir ce challenge, Inch'Allah. Inch'Allah, Inch'Allah. I love you guys. Inch'Allah, see you next On se donne rendez-vous à la prochaine occasion où on va honorer la mémoire de Hamad et Allah Rahmo et Ibrahim Allah Rahmo. Inch'Allah. Voilà. Sûrement, on va faire des activités, des pique-niques, n'est-ce pas? Effectivement, exactement. Oui. Inch'Allah. Oui, sûrement, on va faire des activités. Moi, je serai avec vous comme d'habitude à ce jour. Ouais. Et voilà. Puis, ce sera bien. Et puis, on pourra faire aussi une autre émission sur Sahan TV. Ben oui, exactement. Exactement. Okay, mes frères. Okay. Merci. Salam alaykoum. Okay. Okay. Salam alaykoum. Salam alaykoum. Bye, frère. Goob walba iyo goob kastaba ku xidhnaa telefishinka caalamiga ee Sahan TV uguna kaalay warar ku fan Sahan TV dadka iskale halkani waa telefishinka caalamiga ee Sahan TV.